le coin rouge. C'est un combat de deuxième série, excusez-moi. C'est un combat de deuxième série en moins de 75 kilos. Coin rouge, Frédéric, frère de la team sparnonienne. Frédéric, frère de la team sparnonienne, coché ce soir par Arnaud Rossignol. Il a été quart de finaliste du championnat de France 2019. C'est son deuxième combat. Frédéric Frère. Dans le coin bleu ce soir, il est opposé à Mathieu Codassé de la société vincennoise Savat Boxe Française, excusez-moi. Mathieu Codassé dans le coin bleu. Mathieu Codassé de la société vincennoise Savat et Boxe Française. Mathieu Codassé qui est ce soir coaché par Raoul Colonnette. C'est son septième combat à Mathieu. Deux victoires, quatre défaites. Il est ce soir opposé à Frédéric Frère de la team sparnonienne. Un combat en 4 fois, 4 reprises de 2 minutes. Combat de deuxième série en moins de 75 kilos. Première reprise. Bravo messieurs, fin de la première reprise. Pour ce combat. Spread it across the country. Here we go back. This is the moment.
Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling. C'est Tracy qui nous annonce la deuxième reprise. Série des cheerleaders. Ce combat est plus particulièrement soutenu par l'association Action Emploi et Service Famille. Action Emploi et Service Famille qui est sur Épernon. Quand vous avez besoin de services, petits travaux, n'hésitez pas à faire appel à leurs compétences, à leur savoir-faire. Également le magasin Super U à Épernon et la société. Et le club d'entreprise FIS ce soir. Deuxième reprise. Fin de la deuxième reprise. Et c'est Laurie des Cheerleaders qui nous annonce la prochaine reprise. Je vous rappelle que nos principaux annonceurs pour ce troisième combat, sont le club d'entreprise FIS, qui ce soir est représenté par Monsieur Laurent Bedel. Le magasin Super U d'Épernon, représenté par M. Bossard, et les associations Action Emploi et Service Famille, représentées par leur directrice Karine Lelouaïc. Encore merci à eux. Attention, troisième reprise dans quelques instants. Troisième reprise.
Fin de la troisième reprise. C'est Tracy des Cheerleaders qui nous annonce la quatrième et dernière reprise. Je vous rappelle nos principaux annonceurs, Action Emploi, Service Famille, le magasin Super U. Et le... C'était Laura, on m'a dit, excusez-moi, Cheerleaders. Et le club d'entreprise FIS, s'ils peuvent se préparer pour revenir tout à l'heure, remettre les récompenses à nos deux tireurs. Je les remercie. Quatrième et dernière reprise. Fin de la fin du combat. Merci messieurs. Frédéric Frère de la team Spardonian, Mathieu Godassé de Vincennes. Bravo messieurs, une belle intensité, de l'énergie jusqu'au bout. Je vais demander à Madame Lelourec, à Monsieur Laurent Bedel de venir et Monsieur Bossard également pour remettre les récompenses. Merci à Cheerleader, toujours présent. Monsieur Bedel de FIS, club d'entreprise. Monsieur Pien, qui est venu le soutenir, également de FIS Entreprise, mais également de la société Vertige. Et Karine Lelourec, des associations Action Emploi et Service Famille. Bravo à Frédéric,
Mathieu pour ce combat et cette intensité jusqu'au bout. Ils n'ont rien lâché. Ils ont été valeureux, des guerriers jusqu'au bout. Bravo messieurs. Frédéric Frère qui est ce soir coaché par Arnaud Rossignol de la boxe pardonnienne et Mathieu Codassé par Raoul Colonnette. Alors, après la remise des récompenses, vous aurez 20 minutes d'entraque, vous pourrez aller vous restaurer, prendre un verre. Les buvettes sont ouvertes, n'hésitez pas. Et nous reprendrons après pour la deuxième et dernière partie de cette soirée, de ce gala Alain Boulou. Alain Boulou qui était le fondateur, le cofondateur avec Thierry Ruelland de la Savate Spardonienne. Monsieur Alain Boulou, qui pendant des années a entraîné, a donné de son temps pour ce club. Et nous ne sommes jamais on le remercie toujours. Et nous, on le remercie. Bravo Alain. Et c'est toujours un plaisir de l'avoir pour nous et de voir tous ces combats. Alors, à l'unanimité, Mathieu Codassé. Bravo messieurs. Une belle sportivité, un beau combat jusqu'au bout. De l'énergie, de l'intensité. Ils n'ont rien lâché.